exemplaires du 30, les amis. On y va. Montrer leur présence et leur mécontentement. Première mobilisation des Gilets jaunes à Dijon depuis des mois, mais peu de personnes présentes place de la République là où le rendez-vous était donné. On a toujours été Gilets jaunes au fond, hein, même si on manifestait plus, on a toujours nos revendications au fond, quoi. Ça change pas, hein. Là on vient parce que c'est un appel national, donc on vient un petit peu manifester, mais bon, malgré qu'on n'ait plus le droit de manifester aujourd'hui, on va essayer de manifester sans se faire gazer, quoi. Il y a eu de la division partout, de toute façon, dans tous les cas. Et voilà, bah, ceux qui restent, c'est, on va dire, c'est les plus courageux, entre guillemets, quoi. Comme André, 67 ans, gilet jaune depuis le 17 novembre 2018, et insatisfaite de l'interdiction de manifester. On n'est pas là pour tout casser, nous sommes pacifistes. On est juste contre ce que le gouvernement met en place. Il nous enlève toutes nos libertés. Le Covid-19, ça a été la pure fumisterie qui puisse exister. Le rassemblement aura été de courte durée. La trentaine de policiers présents sur place pour faire respecter l'arrêté préfectoral a fait rapidement usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Pour certains, le mouvement n'est pas mort, mais il est moins puissant qu'à ses débuts.